Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'onglet Nouveautés dans la fiche Bibliothèque. Pour cette démonstration, je vais utiliser le site des médiathèques du Grand Dol. Je suis sur la fiche Bibliothèque d'Albert Camus et on va pouvoir configurer l'affichage de l'onglet Nouveautés qui n'est pas activé par défaut. Donc vous avez, voyez ici, nouvelle ligne, nouveauté, que l'on va cocher. Et donc vous avez avec, en icône de haut-parleur par défaut, une nouvelle table, une nouvelle onglet que l'on a appelé nouveauté. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons une boîte kiosque de notices, triée par date de nouveauté et limitée à 20 éléments. Bien sûr, filtré sur la bible que nous sommes sur la bibliothèque que nous sommes en train de consulter. On peut configurer cette boîte de notices. Tout d'abord, la sélection. Donc si on veut utiliser un panier ou un domaine, c'est tout à fait possible. Voilà. À l'instar des boîtes de notices, vous avez accès à toutes les options disponibles. Et ici, nous avons la configuration par défaut. Carousel 5 colonnes, médias, 20 documents, ordre par nouveauté et défilement à 4 secondes. Au niveau des styles, on a déjà un style qui est utilisé, sans bordure, sans arrondi, sans ombre et sans fond. Rien n'est configuré au niveau de la dissémination. Au niveau de l'adaptabilité, on reste sur quelque chose d'automatique. Et à noter que l'onglet visibilité n'est pas disponible pour cette boîte. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.